Coffee with a Cop. Chita pren yon tas café ak pain ensemble ak yon gendarme, c'est une initiative qui gen pou mission améliorer relation entre gendarme ak population et créer confiance ak bâti yon pi bon relation entre la police ak communauté yo. Initiative café ak gendarme Coffee with a Cop te commencé dans ville Houghton dans l'état Californie pays États-Unis en 2011. Les officiers dans département la police ville là t'a cherché une façon pour rapprocher population ensemble avec la police là. Yo te fait communauté ak citoyen yo vin zami ak messieurs dames policiers qui t'a supposé servir ak protéger yo chaque jour. Café ak gendarme c'est un événement qui fête chaque date 7 octobre dans pays États-Unis. Et c'est un programme qui a plus succès dans la communauté, côté que programme ça fait avec police à travers tout le pays. Le programme a tellement marché, il tellement prend que l'y arrivé élargi tout en dehors États-Unis, l'y arrivé fait tout dans le pays Canada. En Europe, en Australie, en Afrique, ensemble avec pays Amérique latine. Sous invitation NYPD détective Michel, Téléimage t'a fait déplacement arrivé dans Brooklyn Flatbush Avenue, dans le restaurant Taste of the City, côté que NYPD Community Affairs Bureau of Immigrant Outreach Unit, en partnership avec Taste of the City, 7 Precinct, t'a organisé de 9h à 11h du matin, yon chita boue café ak pain ensemble ak communauté. Plusieurs moun te répond présent, moun kap passe yo te profite kampe parler avec messieurs dames la police yo, nan yon belle ambiance pendant que yo te kembe principe protéger tête yo contre virus la. Tout moun te gen masque nan figure et yo te prend précaution. You having coffee with a cop. Not with a cup of coffee, but with a police officer here. What's been going on here? What are you telling him? How is the conversation going? Well, we're talking about our families and what we could do for the neighborhood that I live around here and I work around here. I was walking home. That's how I see it. And then I talked to him and then he told me, let's have some coffee. Well, it's amazing how much Nadia and I have in common because I'm about to be a grandfather in March and she's a grandma. She was talking to me about that whole experience. She has a son who's an officer. My daughter is an officer. I was also in the military, just like her family. So really what we're seeing is we're all just people and we have similar experiences. And we, as when we talk, we see how much we actually have in common instead of the differences. And it makes the community stronger. Coffee with a Cop has been going on around the States as a fifth year. Such events works in the community, according to you? Absolutely, and it helps us also to look at the community as, hey, it's just the same as us. We all have the same needs. We all want love, we all want peace, we all want family. Nothing is more important than that. If we have that, the community will benefit, and the NYPD cannot succeed without the community. Parmi plusieurs autres officiels qui étaient là, consul général pays Saint-Vincent, monsieur Howie Prince, te répondre présent, représentant corps Marines yo dans l'armée américaine nan, sergent Emmanuel Henry, te vini participer tout et te parler avec Téléimage. Nous te wè tout tab organisation infirmière yo Haitian Nurses Network, qui yo même tout te répondre présent et yo te vini bay service yo. Téléimage te parler tout avec plusieurs membres l'autre organisation qui yo même te répondre présent tout et nous te mandé yo qui gens yo pensé que une initiative comme ça ta capoter solution ak revendication, manifestation population contre injustice ak racisme que mouvement Black Lives Matter nan a dénoncé dans pays américain. Plusieurs candidats pour poste électif dans ville New York là té profité parler ak Téléimage et nous té content ouais, nous té content ouais notamment madame Rita Joseph qui sont candidate pour un poste électif dans quartier Brooklyn. Et en final, Téléimage té font belle parler ensemble avec organisateur événement ça, Coffee with a Cop. Détective Michel, membre organisation Alifoyo, ensemble avec officier police dans quartier Brooklyn, nous te font un petit brasser l'idée. Entendez. Bonjour, je suis le détective Nathalie Michel, je travaille pour Community Affairs Bureau. Jeudi, c'est 7 octobre, c'est National Coffee with a Cop. Jeudi, nous, Halifo, 7-0 avec Community Affairs Bureau, nous organiser event ça. Nous choisissons la communauté Flatbush, là, côté gain un pile même haïtien, pour nous joshita avec police officier, avec la communauté haïtienne. Pour juste parler, faire un dialogue, pour discuter. N'importe problème, y'a un concern avec un petit café, avec un bon petit pain haïtien, je dis. C'est bien ça. Et vous dites, chita avec un petit café, un petit pain haïtien, pendant ce temps, si un haïtien vient là, chita avec un officier de police, qui ça vous parle? Qui ça nous dit? Qui ça d'après vous qui sorti dans ce genre de conversation? Ça? On y vient comme ça, qui ça sorti là-dedans d'après vous? On y vient comme ça, qui ça sorti là-dedans? J'en veux, la communauté haïtienne, pas tellement bien confiance avec police officielle. Aujourd'hui, à son bonjour pour une chita pour parler avec eux.
n'importe question you gagne, n'importe comment, nous pas là avec nous répondre. You're just a one-on-one dialogue with a police officer today. Today is their day. C'est jour pour communauté avec chita avec nous parce que je dis à gomon qui dit me comme ça que oh, ça n'a fait matin nous pas faire riot, moi dit ouais. Depuis un police ou penser riot arrestation. Je dis à non, c'est un police chita à parler avec mon communauté. Spécialement communauté haïtienne, haïtienne. Ou d'a pour nous représenter haïtien. Belle bagarre. Et puis je dis à nous chita ensemble avec un petit tasse café, un petit pain haïtien, un petit mamba haïtien, c'était ça net. Oui, belle bagarre je dis. Beautiful. Petit gingembre tout. Petit gingembre nous je dis. Voilà. Ça bien tombé. Et on a community affairs and I think this is a way to, you know, connect the community and the police department. Alifo could not have been absent today. Alifo is here well represented. Alifo là toujours là. Et parce que ça qui est important avec Alifo c'est que policiers qui en dans force, qui haïtiens eux-mêmes, ils présent grâce à Alifo et nous là tout. Je dis qui ça veut dire pour Alifo, nous présent et qui participation nous dans événement ça. Non, moi c'est Charles Dichalesca, moi c'est détective dans l'Intelligence Bureau, département dans NYPD. Hein. Et Alifo toujours là depuis son bail communauté qu'a fait. OK? But si initiative ça nous fait là, il est bien bon parce que en pile dans monde kounya là, je pense que gon bataille entre police, yo dit police brutality, police a fait oppression sur monde, ça nous montre que pas gain ça vrai. OK? So, by chita avec nous et puis nous avons expliqué comment la police département marche. Nous pas là pour nous battre monde, pour nous casser tête, pour nous faire rien de mal avec la communauté. La communauté a approché nous n'importe où. C'est un problème que moi ouais que qui gagne dans communauté haïtien, c'est plus c'est gang violence qui est infesté communauté haïtienne. Moi m'obité après m'en pose question l'autre gens, m'en pose question sordia. Donc dans communauté haïtienne dans Brooklyn dans pile gang dans pile violence c'est ça dit là. Oui. Ben kounya là nous obligé chita avec yo pour nous montrer que gien l'autre moyen, gien l'autre côté, gien l'autre bagaille que yo ka joindre aide pour mettre timoun yo sur bon chemin. So pas côté moun k'ap djou police c'est bat y'a vinn batou. So kounya côté pour ta joindre aide là ou mépriser pour nous vinn peur. So qu'on y a nous montrer que ou cachita avec nous, ka parler avec nous et puis n'a mettre au bon chemin, confortable n'a mettre au bon chemin côté pour aller. Je travaille dans intelligence NYPD. Selon intelligence ou qui ça qui expliquer que dans communauté haïtienne qui très traditionnelle d'habitude avec des parents très stricts ou joindre une quantité jeunes qui tombent dans gang. Qui explication ta kabaye pour bailler comme ça? Son peer pressure. C'est ça m'a dit. Parce que grand pile petit monde qu'on y a yo yo vle si tout petit monde qui sorti dans communauté haïtienne yo feel tokou yo pressured they want to belong y a regardé télévision yo vle met tatou sur tout corps yo vle faire en partie de communauté gang nan mais son façon que pour yo ka son manque de relation entre famille en tout mon ka dit parce que en pile famille en haïtien en pile famille haïtien qui ici yo gen là de yo kap travay trois jobs. Tout monde n'a pas là pour compte lui. So, zami a influencé pour l'entrer dans gang pour protéger le. Les comme ça parents lui même l'a travail dur pour ca payer bill pour ca payer loyer pour ca mettre tout monde dans le bon chemin et tout monde lui même li peer pressure qu'on a fait pour l'autre direction. But gain l'autre programme que yo ca rentrer là dedans pour explorateur. Yo gain rentrer dans explorateur, tant que explorateur lui même nous ba en ligne li tant que paramilitaire, yo ba uniforme. But Léo commence à grandir, yo vinn trop âgé pour explorateur là. So qu'on a nous encourager yo ka rentrer dans cadette. Cadette là li on la pral payer l'école pour yo, université pour yo. So qu'on a la même bon à en condition que faut yo join the police department. Vous comprenez? Au moins on l'autre route, on l'autre chemin. Route, on l'autre chemin yo ka prendre. Mais en pile dans famille yo pas connait programme ça. So qu'on a à le faut qu'on a ouvrir porte là pour yo et on croit Nathalie, détective Nathalie is good with that. Donc li ka explique. Et puis tout non bagay gang encore tout. Moun ki ka plus expert, ki ka plus expliquer dans communauté a ça ka passé dans gang dans communauté 70 là, c'est porte-parole Alofo. Okay. Détective Claude, li c'est lui même li travaille dans squad dans 70 là. So li deal avec pifo et événement ka passé en dans communauté sous Flatbush là. Avec Détective Claude, merci pour ça, Alifo.
Là, nous parlons d'abord avant de nous arriver sur le détective Claude. Nous avons l'officier Godin lui-même. Moi, je suis à Washita avec une madame. Ou t'as parlé avec elle, ou t'as pris un petit café avec un petit donut ensemble avec lui. Qui j'en crois que ça chante, et bien nous idée ça que t'as passé sous table là ça. Bon, c'est Officer Godin, moi travaille dans 70 ans. Il était très important pour nous de faire une réunion ça, côté nous rencontrer avec la communauté. Dame ça, moi t'as parlé ensemble avec lui. Il était expliqué mes deux, trois concerns que les gens côté lui habité. Et moi prendre note de tout ça lui dit yo et moi pour aller parler ensemble avec communauté à Ferlan et puis ensemble avec neighborhood police là pour nous adresser conditions ça que li gagne et que c'est pour ça même nous te faire rencontre ça que nous faire communauté à ensemble avec police yo chita ensemble pour expliquer nous qui problème ou gagne et puis nous même pour nous essayer ouais sinon capoter solution vous. Très bien, donc c'est ça qui et c'est ça signification événement ça tout. Bon metto enfin bon fonti exercice ensemble avec vous. Dame ça parle avec vous nous par contre ça le jour. Admettons que dame n'a expliqué le grand problème voisin qui a fait bruit dans quartier. Jodi elle vient prendre un café ensemble avec vous, elle parle avec vous, prend note. L'autre tourne dans prison là. Qui ça que police département fait, qui j'en réagit. C'est ça me ça fait me poser question ça, c'est pour peut-être montrer mounio que un événement comme ça, il pas juste pour parade, il pas juste pour venir faire boire café avec monde. Mais il y a un résultat qui est là. Donc, qui j'en suivi au fait dans ce sens-là? Bien, je retourne dans le prison plan, je vais parler ensemble avec un neighborhood officer qui est en charge de la zone côté de la dame qui habite. Je vais mettre les consonnes devant lui. Et puis, lui-même, quand il va aller, il va adresser les conditions en façon que pour les gens qui habitent dans la communauté, capable de vivre en paix dans la communauté. Ça fait près de 23 ans que je travaille dans le 70e prison plan. Je te voyais là après me graduer à l'académie jusqu'après l'événement Abner Louis. Alors moi évolution relation communauté avec la police là. Alors pour moi-même événement ça conduit par détective Michel avec collègue Leo dans Community Affairs avec l'autre organisation c'est un très grand succès parce que communauté li besoin. Et où font bagarre là qui est important pour nous sous même Flatbush avenue ça dans zone côté que prix 70 ans c'est lui qui gère zone là quelques années de ça plus de 20 ans de ça peut-être 20 23 ans 24 ans t'es un gros incident nous songer avec Abner Louima de époque ça journée aujourd'hui en 2020 qui soit qu'a dit nous qui significatif qui ca palpable pour nous que un changement vrai entre relation police et communauté haïtienne ou communauté en général dans le sens que gain de changement mais gain de faillite tout parce que au cours des ans gain de problèmes qui frappent communauté en gain des fois li pas une priorité pour la police m'a juste honnête mais en même temps apprécier honnêteté mais en même temps parce que nous supposons honnête mais en même temps gain un pile d'efforts qui fait pour travailler avec communauté en que c'est recrutement de plusieurs policiers d'origine haïtienne de sorte de dialogue ça yo entre la communauté et la police qui est très important et si ça y aurait les outreach actimonio surtout jeunesse là parce que yo même yo sujet en pile pression okay. Tant que détective Charles Scott avait parlé de ça que c'est gang que c'est socio réseau les réseaux sociaux influence de ça dans vie le fait que en pile temps parents n'ont pas là parce qu'il y a du travail. La vie pas facile pour immigrants dans le pays ça. Non, pas facile, pas facile pour famille haïtienne. Vous parlez de réseaux sociaux. Dit mon qui a regardé télé image aujourd'hui là qui a regardé justement sur réseaux sociaux qui gens la police, qui gens police force capable aider à couper influence réseaux sociaux ou bien aider monde qui victime sur réseaux sociaux notamment bullying and all that. Nous avons plusieurs initiatives que c'est par Community Affairs que c'est par Youth Services section. Côté yo montrer problème qui existait à réseaux sociaux surtout leur ou pas gérer le bien ou si parents yo pas prêt attention de ça timon yo ou pas ka toujours veiller timon yo 24 sur 24 mais li obligatoire que comme parents ou informé c'est pour établir limite la police pas ka en dans ka tout monde but 24 sur 24 mais en même temps gain de sorte de conseils nous cabane mon nous gain website nous yo qui là qui disponible sur nypd.org ou halefo.org côté nous ca voyer petit conseil
petit tip. Un petit conseil de cabaye moun yo là pendant ensemble avec nous, surtout sur affaire réseaux sociaux, ne pas prêter trop. Et ben nous connaissons réseaux sociaux tellement populaires dans la communauté a. Est-ce que dans affaire échange entre moun à moun sur réseaux sociaux, gen moun k'ap bouli moun, gen moun k'ap di bagay ki passe sou moun, gen moun k'ap fait diffamation, gen moun k'ap bay menti. Qui conseille au cabaye moun qui t'a vle prendre recours à la police pour justement et ben joindre justice à un monde qui t'a fait un bagay qui passe ça, parler le mal et avilil nous dit sur réseaux sociaux. Un petit conseil pour la communauté. La police toujours disponible à investiguer sorte de investigation ça yo que c'est yo classifié comme harassment ou aggravated harassment. Li qualifié comme aggravated harassment harcèlement aggravé disons yo sorte de traduction côté on peut utiliser que c'est téléphone, que c'est internet, que c'est réseaux sociaux pour menacer un monde, pour parler le mal, pour démentir, bagarre comme ça. So, ou ka toujours porter plainte dans yon point saint, mais il le faut que vous portez preuve que c'est photo, que c'est message et puis dans quelques cas yon ka fait arrestation, dans l'autre cas c'est yon juste référé à la cour ou côté ou ka joindre yon order of protection pour protéger tête. Si c'est vrai que initiative ça Coffee with a Cop t'a commencé à améliorer relation entre la police et la communauté a. Nous-mêmes dans Télé-Image, nous demandons tête nous, est-ce que pour tout bon vrai, même initiative ça, t'as capable d'arriver à couper, éliminer pour tout bon vrai, sentiment raciste ça, qui la cause que certains policiers arrivaient battre, maspiner, blesser et même tuer plusieurs citoyens noirs dans la société américaine, nan, qui, trop souvent malheureusement, pas vraiment joignent justice dans le même système ça. Pour Télé-Image, reportage Valerio Saint-Louis, caméra Gary Altidore.